quand j'avais 20 ans, j'avais fait un dessin prémonitoire finalement. C'était sur une grande, énorme scène et avec un public où il y avait à peu près 50 000 personnes devant en train de danser. Et c'était un espèce de Woodstock en fait. Alors mon meilleur souvenir au Vieille Charrue, c'est 96, festival au centre-ville, à Rayowank, Blues Brothers, Silencers. Et comme on admire évidemment tous ces groupes-là quand on a 20 ans, justement. Et voilà, du rêve à la réalité, les Vieilles Charrues arrivent 20 ans après.